Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve au Haras de la Vallée où Lana va participer à une animation caritative et que le Haras de la Vallée avec l'association Equisys organise une petite animation caritative. Donc les adultes et les enfants peuvent participer à un canicross mais en marche. Pour le cancer du sein et pour les petits, il y a une activité de hobby horse qui est proposée. J'ai décidé d'inscrire Lana puisque c'est une cause qui me touche particulièrement étant donné que ma maman elle-même a été concernée par le cancer du sein. Donc je trouvais l'idée sympa. Double bonne action, ça va occuper ma fille et en même temps ça participe à lutter contre cette sacrée merde de cancer. Allez, viens. Ce qui est pratique ici, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par le portail. Il y en a même là. Ouais. Ah bah oui, là, il y en a partout, je rejoins. Ah, je crois que c'est là-bas, l'atelier. Je vois, tout a été posé sur les tables, là-bas. Coucou, Solia. Ça, c'est la maman d'Ulco. Et la maman d'Ulco, elle a eu des bébés. Et je vous les ai pas montrés sur YouTube. Insta, ils les connaissent, mais pas sur YouTube. Attends, Ils ont bien grandi, hein. Il a percé mon manteau. Ouais, il a percé ton manteau, ton petit nœud rose. Pourquoi il a percé mon manteau? Pour qu'il tienne, c'est une petite épingle à nourrice. Nous aussi. Mais oui, nous aussi. Et oui, on participe, on lutte. Bon, du coup, ça m'a permis aussi d'expliquer à Lana ce que c'était que... la ligue contre le cancer du sein, ce que c'était que le cancer du sein et tout. Je suis pas sûre qu'elle va avoir tout compris et qu'elle ait retenu. Ça lui permet comme ça de savoir dès le plus jeune âge qu'il y a des gens qui malheureusement sont malades, des enfants aussi parfois, et qu'il existe des associations pour aider ces personnes. Comme l'audio au magasin quand on a été acheter des croquettes pour donner à l'association pour les quoi, tu te rappelles? Les vieux. Mais non, pas les vieux. Les chats. Les vieux. Mais tu te rappelles quand on a donné des croquettes pour les chats à la dame qu'on a acheté? Mais non, c'était pas pour les vieux. Merci, mademoiselle. Attends. Ouais. Non, ça va. Tu veux faire le naseau? On va le faire un peu plus grand, son œil peut-être. Est-ce que tu veux que maman elle t'aide un peu à le dessiner? Toi, tu le coloris? Ok. Les yeux bleus? Ouais. On est où? On est toi avec les verbes? Ah ouais, c'est un crayon. Mais le parcours, ça va être une fille? Ouais. D'accord. C'est bien, ma chérie. Ça, c'est bien. C'est bon. Il faut en mettre aussi là, jusque là. Je mettrai de la colle, ma chérie. Tiens. Allez, ma chérie. On va dire à Jess. Non, mais non, c'est... Ça veut pas tenir? C'est joli ce que tu fais. Je peux faire un petit cœur? Tu fais ce que tu veux, c'est ton poney, ma chérie. Hein. Ouais, non, elle est strassée. Hein. Faudrait qu'on arrive à lui fabriquer une corne si tu veux que ça soit une petite licorne. Ouais. On va voir comment on fait ça. Je vais réfléchir pour t'aider.
Des stylos ? Oui, vas-y. Ouais, mais tu vois, comme ça. C'est... Ouais, du coup, on a peint, on voulait colorier avec ça, mais c'est pas fait pour. Non, 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 on a peint avec la peinture. Comme ça, ouais, ah oui. Oh, attention Mimi, t'en mets partout. Est-ce que tu veux que je les enlève et que je te les donne? Non, je veux que tu les colles. Ah bon? Je veux que tu les mettes. Ça fait mal au doigt, mais mal. Je te dis de pas mettre tes doigts. Voilà. Sur là. Mais et? Ouais, c'est bien ma chérie. Ce qui fait qu'en fait tu m'as tout recollé. Très bien. Et on fait et pareil de l'autre côté. Le petit nez. Le nez, ouais. Alors le nez. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Attends. C'est pas grave. Alors là c'est pareil. Ici, un trait ici. Voilà, va pas trop vite, applique-toi. Et le petit nez. Oh bah faut faire le nez plus grand de l'autre côté alors, parce que là t'as fait un gros nez. Voilà. Super. Tu peux reprendre de la peinture. Ouais, viens ma chérie. Ça va toi? Si y a ça, je peux trouver une idée. On en a fait des têtes de. Tu fais quoi? Tiens, le R là, que j'ai sur le doigt. Ça colle. Ça colle la colle. Beau Haribo, il est très rose Haribo. Hein. Ouais. Ensuite, un I, est-ce que tu vois un I quelque part? C'est un bâton. Regarde là, il y a un violet, si tu veux. Ouais. Le bâton violet. Il dirait un L en attaché. On dirait un L en attaché. On dirait un minuscule. Ensuite, est-ce que tu vois un B? B. Bah oui. B. Et ensuite, un O. Un petit B. Non, c'est bon, t'inquiète pas, c'est normal. C'est un accent? Non, il n'y a pas d'accent. Haribo! Haribo! Trop chouette! Va falloir le couper. Hein. Alors, comment il s'appelle ton poney? Haribo! Ouais, alors montre-nous un peu tout en détail ce que tu as fait du coup. Vas-y, montre-moi. J'ai pris des rubans, mais j'ai fait rigler. Ouais. J'ai fait un ruban pour faire la. Comment ça s'appelle ça? La crinière. Non. C'est quoi que tu tiens dans les mains pour diriger le poney? Tu sais. Non. Les rênes. Oui, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre? Des petits cheveux. Ouais, des cheveux roses. Les crinières. La crinière, exactement. C'est une petite corne. Ouais. C'est une fille. C'est une fille? Oui. Donc c'est Haribo fille. Oui. D'accord. Et ça, c'est l'oreille. Son oreille. Les pins et puis... On l'a doré, ouais. Et de l'autre côté? Parce qu'il y a plus de choses, je crois, de l'autre côté. Oui, mais ici, j'ai fait des petits autocollants. Ouais. Pour décorer ici, le filet. Ici, j'ai fait des petits cœurs et j'ai écrit Lana, mais on voit pas trop. Ouais, on voit un petit peu. Là, il y a le petit ruban. Ouais, avec un petit truc. Un petit truc. La bouche, le nez. Oui. Le museau, je veux dire. Là, il y a un petit truc pour... Décorer.
Ouais. Ok. Et après, ici, il y a plein de petits trucs avec des fleurs. Et ensuite, vous allez faire le parcours dans la carrière. Comment ça marche? Attention. Oui, bien ma chérie. Super. Bah lui on le saute pas. Donc on fait le jaune. On tourne. On fait le vert. Ensuite on fait le violet. On passe entre les deux barres. On refait le violet. On tourne à droite et on fait le double avec les deux barres. On commence par ça déjà. Bah ouais, parce qu'il y a Lucas qui nous attend. C'est bien, ouais, super. Oula. Ramasse ton poney, ma chérie. Il va être tout seul. C'est pas grave, il va sécher et après on le frottera. C'est pas grave, ma fille. Ouais, alors bon. Ah oui, ça peut arriver. Ça s'appelle une ça s'appelle panacher ou tomber. C'est bien. Allez, on passe entre les deux. Oui. De ramasser, de faire un gâteau. Oui, exactement. C'est bien, Lana, super. Oui, c'est parce que tu le... Il est trop grand pour toi, ma puce. On demandera à papa de te le couper. Eh, c'est bien, t'as retenu le parcours, là, pour le deuxième passage. Super. Super. Ah bah là, je suis au milieu. Tu vois, tu voulais faire des concours d'équitation d'obstacles. Là, t'as pas de poney, c'est un faux, on est d'accord. Oui. Mais si un jour, tu veux faire des vrais concours, il faudra retenir le parcours comme on a fait là. Donc ça, c'est quelque chose qui, tu vois, c'est pas facile hein, au début. Hein. Oui. Sauf que t'auras un vrai poney à gérer aussi. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça t'a préparé. Ça t'a montré comment c'était, mais sans trop de difficultés non plus. D'accord? Ça t'a plu? Mmh. Ouais. Tu veux refaire le parcours ou on rentre à la maison? On refait. On refait. Bon, allez, c'est parti. Allez, viens le faire celui-là, Lana. Viens faire celui-là. Vas-y. Tu le fais en courant? Vers moi? Allez, regarde où tu vas. Allez, cours. Oh, un refus. Elle a décidé de le faire sans... Oh là 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 là. C'est haut là. C'est haut hein. Allez Mimi. Bah c'était sûr. Toute sale, Madame Mimi. Ah bah ouais. Hein, tu joues à cache-cache, Lana? Est-ce que ça t'a plu cette petite activité? Ouais, je suis fatiguée. Non, bon, bah, tu fais une petite sieste. Ça fait une petite sieste. Ouais. C'est quoi? C'est le parcours qui t'a fatiguée. Hein. Ah, bah oui. Hein. On va aller montrer ton poney à papa et il va te le raccourcir. Profitez bien de votre semaine et puis voilà. Profitez bien de votre semaine. Abonnez-vous. Au revoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. On vous fait à tous de très gros bisous. Comme dirait Lana, profitez bien de votre semaine. Hein. Allez, salut. Salut, Coloco. Coloco.